Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les vendredis. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je la remercie tellement. Si vous saviez comment elle est occupée, c'est incroyable, mais elle prend le temps d'être avec nous à La Victoire de l'amour. Elle est médecin, chirurgienne également en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Voici déjà plusieurs mois que nous sommes bombardés par toutes sortes d'informations et j'entends des gens encore me dire « Ah, moi, tu sais, le virus, j'y crois pas ». J'aimerais particulièrement porter votre attention sur un mot dans cette phrase, le mot « croire ». Il s'agit d'utiliser le mot « croire » à bon escient dans le bon contexte. Il y a des choses qui appellent à croire et il y a des choses qui font partie de la réalité. La réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est quelque chose qui est ou qui n'est pas. La question de la présence du virus, ce n'est pas une question de croire, c'est un fait. On peut le mesurer, on peut l'observer, on a des gens qui sont à l'hôpital, on a des décès partout au travers le monde, on a des données. À savoir si, par contre, on va croire que cela pourrait nous arriver, eh bien, encore d'un autre ordre, c'est d'un ordre simplement statistique. Vous pouvez, comme par exemple, comme plusieurs de mes patients, croire que vous n'aurez jamais le cancer ou croire que vous avez le cancer. La question, quand mes patients viennent me voir, c'est qu'ils veulent arrêter de croire pour savoir. Alors, il faut bien faire attention à comment on utilise le mot « croire ». La question de la foi est une question qui est au-delà de la science. C'est un pas de plus. Nous avons beaucoup de misère dans notre société à savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la science, qu'est-ce qui est de l'ordre de la foi. De la même manière, on va dire « moi, je ne crois pas en Dieu ». Mais quand on parle avec la personne, on se rend compte qu'elle a une croyance quelconque par rapport à un être supérieur, qu'elle détient des valeurs qui sont issues de cette croyance, etc. Et donc, on confond ce qui est un fait avec ce qui est de l'ordre de la foi. Les deux sont complémentaires, mais il s'agit de mettre les éléments chacun dans sa bonne position. Alors, je vous inviterai à vérifier votre disposition et à vérifier comment vous interagissez par rapport aux choses. Parce que quand on croit ou on ne croit pas, c'est comme si c'était l'usage de notre liberté. C'est exact. La foi, c'est de l'ordre de la liberté de chacun, qui engage son intelligence, qui engage toute sa personne, toute son expérience, pour faire un pas de plus. Mais il y a des choses qui ne sont pas de cet ordre-là, qui sont de l'ordre de la science, et il faut remettre chaque chose à sa place. C'est important de réaliser que souvent, quand on va dire « je ne crois pas à quelque chose qui est de l'ordre de la science », c'est en fait une manière d'exprimer notre anxiété. C'est correct. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être démuni devant la situation, de vous sentir que c'est trop grand, que vous ne savez pas quoi faire. Accepter cette situation-là de nos propres limites, ça commence par accepter d'abord la vérité, c'est-à-dire accepter la réalité scientifique qui est devant nous. Et c'est à partir de cette réalité-là qu'on peut faire un pas dans la foi, on peut dire « j'ai peur ». De la situation que nous vivons ensemble, mais je crois qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui veille sur moi et que si je fais ma part, tout va bien aller. Alors, je vous invite à continuer à réfléchir sur cette question à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour et il est fabriqué au Québec par des artisans du Québec. Alors, je vous le présente, ce magnifique cadeau, c'est le pendentif de l'ange gardien. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir. Et ce bijou, il est déjà béni. La chaîne, à votre demande, elle est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je me permets, comme je vous disais dans les semaines précédentes, vous savez que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Vous comprendrez évidemment que c'est à cause de la pandémie. Et là, on commence à s'en sortir. Alors, merci de faire un geste tout à fait spécial en ce mois de juillet pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Alors, merci de ce que vous ferez. J'aime à vous dire souvent, merci de donner des mains à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci aussi de porter la Victoire de l'amour dans votre prière. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures pour ouvrir votre journée. Que de mieux que d'ouvrir la parole de Dieu pour commencer notre journée et nous diriger dans une réflexion divine. On est dans Matthieu, chapitre 12, et je vous lis les versets 1 à 8. « En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat. » Et déjà, on a un avertissement en disant « un jour de sabbat » qu'il va certainement y avoir un discours, une discussion à saveur religieuse. À travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis, à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David? » Il fait allusion ici à une histoire de l'Ancien Testament dans le livre de Samuel. « Ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons. » Il entra dans la maison de Dieu, ils mangèrent du pain de l'offrande. Or, cela n'était pas permis, ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent en repos du sabbat sans commettre aucune faute, parce qu'ils sont à l'œuvre le jour du sabbat. Ils travaillent et pourtant, ils ne manquent pas. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple, faisant allusion à lui-même, il est plus important encore que le temple qu'il y avait à cette époque. Si vous aviez compris ce que veut dire ces paroles, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'aurez pas condamné ceux qui ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien, j'ai déjà regardé ce texte il y a déjà 2 ans avec vous, dans le texte parallèle de Matthieu, de Marc, excusez-moi. Dans Matthieu, il s'adresse à une foule juive. Et évidemment, le sujet du sabbat est hyper important. Et Jésus va donner une réponse un peu plus complète dans l'évangile de Matthieu que dans celle de Marc pour ce public juif, ce public religieux. Et en ce sens, je crois que c'est un texte qui s'adresse bien à nous qui avons, comme Québécois, un arrière-plan religieux. Oui, ça s'est laïcisé dans les dernières décennies et ça s'est ralenti, mais tout de même, un peuple religieux. Et vous savez, à cette époque, il y avait eu beaucoup de commandements ajoutés
ajoutées à la loi. Ce que les Juifs, ici, ce que les disciples faisaient, était permis par la loi. Mais les règles qui s'étaient ajoutées par les rabbins, qui avaient ajouté des lois pour expliquer quel était le travail et qu'est-ce qui n'était pas du travail le jour du sabbat, avaient rendu la vie très lourde pour ces gens religieux. Et ils étaient en accusé des hommes qui, finalement, obéissaient à la loi, mais n'obéissaient pas aux commandements ajoutés par la loi religieuse de l'époque. Distinction importante. Et Jésus va faire le commentaire suivant à des hommes qui sont supposés connaître bien la loi. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu ce verset de la Bible? Et va citer ici un verset des prophètes dans le livre d'Osée, chapitre 6, verset 6. Vous pourrez le voir vous-même. Mais ce que je remarque ici, c'est que le Seigneur Jésus répond à l'excès religieuse, répond au légalisme des règles qu'on s'ajoute pour espérer faire plaisir à Dieu et gagner le ciel, ce qui est une mauvaise conception. Jésus vient réparer ces mauvaises compréhensions dans Matthieu par les Écritures. Les Écritures sont l'outil de Jésus pour corriger les méconceptions religieuses, les excès religieuses, les incompréhensions. Connaissez-vous la Bible? Lisez-vous la Bible? Jésus prend la Bible, la parole de Dieu que je viens de lire ce matin, la loi dans l'Ancien Testament, pour corriger. Et n'est-ce pas ce que Dieu veut faire avec nous? Corriger nos impressions, corriger nos mauvaises compréhensions religieuses, corriger ce qu'on pense être bien de ce qui est mal, qui est parfois confus dans notre société. Quel est notre repère? Le repère, Jésus le dit bien, n'avez-vous pas lu? C'est la Bible. La Bible est notre guide, la parole de Dieu, encore pertinente pour ce siècle-ci, 2000 ans après la venue de Jésus. La parole est la clé pour corriger nos mauvaises compréhensions et s'assurer qu'on est dans la vérité, d'être dirigé par une autorité. Et Jésus va dire ici une déclaration très forte, qu'il est le maître, qu'il est le Seigneur du sabbat. Donc, ce n'est pas lui qui doit être régi par le sabbat. C'est lui qui régit le sabbat. Il est maître de pouvoir changer les choses. Et il dit, ce qui est important, vous l'avez manqué, c'est-à-dire de faire miséricorde plutôt que de mettre tout l'accent religieux extérieur. Et ça m'amène en concluant notre méditation aujourd'hui dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, verset 16, qui dit ceci, l'auteur des Hébreux nous dit, « À cause de tout cela, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » afin d'obtenir miséricorde, c'est-à-dire d'obtenir une faveur de Dieu sans mérite de notre part, et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Une invitation ce matin à retourner à Jésus, à la parole de Dieu pour trouver la sécurité, le réconfort, la compréhension que seul Dieu, par son Fils Jésus, veut vous donner encore aujourd'hui. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc la prière à 15h cet après-midi. À tous ensemble, d'une façon virtuelle, un beau Notre Père avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Simon Lessard, un jeune de 34 ans. Vous allez voir, il a une foi extraordinaire. C'est incroyable comment cette nouvelle génération a une foi en Jésus qui, moi, me bouleverse à chaque fois, et en chanson de la France, Grégory Turpin, qui nous fait la chanson que j'aime tellement, le psaume de la création. Manquez pas ça ce dimanche. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Dis même les plus grands scientifiques de la Terre sont pas capables de faire un brin d'air. Dis c'est trop beau, trop complexe, ça nous dépasse. Mm-hmm. Tu penses que tout ça viendrait d'un jeu de hasard seulement? Ou est-ce qu'on ne voit pas là-dedans une telle beauté, une telle finesse et intelligence qu'il faut que ça vienne d'un Créateur? Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.